ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة Donc nous continuons, InshaAllah Allah, dans l'explication du kitab péché et guérison, Adda da Naham. Et nous étions arrivés, nous étions arrêtés au chapitre 48. Donc les deux chapitres qui vont suivre ici, ils sont primordiaux. Naham. Celui qui aura compris, celui qui aura compris, assimilé, mais en pratique, il, il aura tout gagné. Naham. Ibn al-Qayyim nous dit Les péchés aveuglent le cœur et affaiblissent sa clairvoyance. Les péchés aveuglent le cœur et même s'ils ne l'aveuglent pas, ils affaiblissent nécessairement sa clairvoyance. Il a été précédé qu'ils affaiblissent inévitablement le cœur. Et si le cœur est aveuglé et qu'il faiblit, il ne peut connaître la guidée et il est trop faible pour l'appliquer à lui-même et à autrui, et, en, et ce en fonction de la faiblesse de sa clairvoyance, de sa force. Ceci car la perfection humaine gravite autour de deux choses la distinction de la vérité et du faux, et la préférence donnée au premier. Les degrés divers des gens auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en ce monde et dans l'au-delà. Sont en, fonction de, sont en fonction de leur rang et ces deux choses dont Allah subhanahu wa taala a fait l'éloge chez ses prophètes dans sa parole. Et <messant> rappelle-toi, Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Puissants, il dit, désigne ceux qui sont forts dans la réalisation de la vérité et clairvoyants désignant ceux qui sont clairvoyants en leur religion. Ainsi, il les a décrits par la perfection de la per perception de la vérité et la perception de la ré réalisation. Les gens se divisent sur ce point en quatre catégories. Donc, on comprend ici tout de suite que la puissance n'a pas notion de force physique ou de force possession de biens matériels et autres, mais la puissance ici, mentionnée, Allah nous dit Ce sont ceux qui sont forts dans la réalisation de la vérité, clairvoyants, et désignant ceux qui sont clairvoyants en leur religion, ainsi qu'il les a décrits par la perfection de la perception. Naham. La, leur perception de la vérité, de la perfection de sa réalisation. Les gens se divisent sur ce point en quatre catégories. Ces derniers représentent la catégorie la plus noble auprès d'Allah donc, première catégorie. C'est la catégorie de ceux qui sont puissants et clairvoyants. Deuxième catégorie est celle de ceux qui sont à l'opposé de ceux qui se sont dotés d'aucune clairvoyance dans la religion et d'aucune force dans la réalisation de la vérité. Ce sont les plus nombreux des hommes, ceux qui ne s'intéressent qu'aux défauts d'autrui, à l'agitation, aux maladies du cœur, qui oppressent les gens, font monter les prix et dont la compagnie n'amène qu'approbe et scandales. Naim, naim. Troisième catégorie est celle de ceux qui sont dotés de clairvoyance et de connaissance de la vérité, mais qui sont faibles et n'ont pas la force de la réaliser et d'y appeler. C'est là la condition du croyant faible, et le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah. La quatrième et celle quatrième, catégorie est celle de ceux qui sont dotés de force, d'intérêt et de détermination mais ont une faible clairvoyance en la religion, pratiquement incapables de distinguer les alliés des miséricordieux, du miséricordieux et les alliés de Satan, pensant que toute noirceur est une date et toute blancheur est morceau gras. Ils prennent la boursouflure pour un morceau gras et le remède utile pour un poison. Aucun d'eux ne convient à l'imama dans la religion, à l'exception des premiers. Allah nous dit, donc dans ces quatre catégories, il n'y en a aucun qui peut être un guide. Pour les musulmans, lui-même, à l'exception de la première catégorie que nous avons citée, dit :« les puissants hein, et les clairvoyants. Allah nous dit dans le Coran <médier� di> Nous avons élu parmi eux des, des, des guides spirituels qui dirigeaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement. En nos versets. Allah Ta'ala a donc informé que c'est par la patience et la certitude qu'ils sont parvenus au rang de guide spirituel. Allah Ta'ala a fait exception d'eux parmi les perdants et il a juré par le temps pendant lequel perdants et gagnants œuvrent que tous ceux en dehors d'eux comptent parmi les perdants. Allah dit voilà par le temps, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres et recommandent la vérité et se recommandent la patience. Non. Ainsi, il ne leur est pas suffisant de connaître la vérité et de patienter sur celle-ci. Mais ils doivent se la recommander, guider vers celle-ci et y inciter. Si ceux en dehors d'eux sont perdants, il est connu que les péchés et désobéissances aveuglent la clairvoyance du cœur qui ne se saisit plus qui ne saisit plus la vérité. Comme il se doit, <coughs> sa force et sa détermination faiblissent et ainsi ils ne patientent plus sur celle-ci. Plus encore, les péchés peuvent se succéder. Les péchés peuvent se succéder sur le cœur jusqu'à ce que sa perception s'inverse de la même manière que son cheminement. Ainsi il perçoit le faux comme étant la vérité et la vérité comme étant le faux. Le bien comme étant le mal et le mal comme étant le faux. Ainsi il chute dans son cheminement et revient de son voyage vers Allah au terre. Son voyage est l'au-delà pour l'immobilisme des âmes mensongères qui se suffisent de la vie d'ici bas et se détournent d'Allah et de ses signes sans se préparer pour sa rencontre. Naam, si les péchés n'entraînaient pour châtiment, « Que celui-ci, cela suffirait pour les délaisser sans s'en éloigner. <coughs> » Ibn al <-Qayyim> nous dit... <coughs> Ibn al nous dit... « Si les péchés n'entraîneraient pour châtiment que celui-ci, cela suffirait pour délaisser, pour les délaisser et s'en éloigner. »« Qu'Allah nous vienne en aide. »« De la même manière que l'obéissance à Allah illumine, éclaire, polie, renforce et raffermit le cœur... » Au point qu'ils deviennent comme le miroir poli dans sa brillance et sa limpidité, et se remplissent de lumière lorsque Satan s'en approche, il est atteint par sa lumière, comme le démon qui cherche à écouter au ciel et frappé par un météore transperçant. Satan est plus effrayé par ce cœur que le loup ne craint le lion, et celui qui le possède terrasse Satan, qui tombe bien vite, puis les démons se rassemblent autour de lui en se disant Que lui est-il arrivé et on lui répond, leur répond il a été frappé par un être humain, il a été atteint par le regard d'un homme, un regard émanant d'un cœur libre et illuminé, qui brûle pratiquement Satan de par sa lumière. Ce cœur est-il semblable au cœur de tous les recoins, son ténèbres, dont les passions sont diverses, que Satan a pris comme lieu et demeure, et qui au matin le salue et lui dit. J'ai remplacé par un compagnon qui ne réussira ni en cette vie ni en l'au-delà. J'ai été remplacé par un compagnon qui ne réussira ni en cette vie ni en l'au-delà. Il est ton compagnon en cette vie et après la résurrection. Tu es mon compagnon en tout lieu, situé dans la demeure du malheur. Toi et moi sommes ensemble dans le malheur et le déshonneur. Ça c'est pour celui qui s'allie au Shaytan. <coughs> يالله الله تعالى نجي في كتابه الكريم ومن يعش عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فوإنهم ليصدونهم عن سبيلي ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بني لا ييت بيني وبينك بعد المشرقين مشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم يوما ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون نعم et quiconque se détourne du rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. les démons, obstruant le droit chemin et pensant être bien guidés jusqu'à ce que l'homme parvienne à nous et dise à son démon « Si seulement il y avait entre toi et moi la distance entre les deux orients, l'Est et l'Ouest. Quel mauvais compagnon tu es, il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment, puisque vous avez été associés dans l'injustice. » Allah nous a informés du fait que celui qui se détourne et s'écarte de son rappel qui est son livre, qu'il a révélé à son messager, sa clairvoyance se détournera de sa compréhension et de sa méditation, et de la connaissance de ce qu'il a voulu de lui. Allah lui assigne un démon comme un châtiment pour s'être détourné de son livre. Il est donc son compagnon, qui ne le quitte jamais, qu'il soit résident ou voyageur. Il est son maître et son clan, et quel mauvais clan, quel mauvais maître et clan. Comme deux frères allaités par le sein d'une même mère, et qui, dans la nuit noire, aurait fait le serment de ne plus jamais se quitter. Puis il, Allah, a informé du fait que Satan obstrue à son compagnon le chemin menant à Allah et son paradis. Alors que cet égaré pense qu'il est sur la voie de la guider. Ceci, jusqu'au jour de la résurrection, un des deux compagnons disent à l'autre. Si seulement il y avait entre toi et moi la distance séparant les deux Orients, quel mauvais compagnon tu fus en moi en ce monde? Tu m'as égaré de la guider après qu'elle me soit parvenue, tu m'as obstrué le chemin de la vérité, tu m'as fourvoyé jusqu'à ce que je périsse. Et quel mauvais compagnon tu es pour moi aujourd'hui! Et puisque lorsque quelqu'un est associé au malheur, cela entraîne une forme de réconfort et d'atténuation d'Allah. Allah a informé du fait que cela ne se produit pas pour ceux qui ont associé dans le châtiment. On n'éprouve aucun repos et aucune joie. Avoir son compagnon châtié avec soi, même si c'est en ce bas monde, lorsque le fléau frappe tout le monde. Il existe une forme de consolation, comme l'a dit al son dans son, euh, son sakra. Si ce n'était le grand nombre autour de moi, de ceux qui pleurent leurs frère, je me serais suicidé. Ils ne pleurent pas de semblable à mon frère. Je ne t'oublierai jamais jusqu'à quitter ce monde. Et parvenir à ma sépulture. Allah ala, jalla wa ala, a privé les habitants de l'enfer de ce peu de consolation. Ainsi, il dit Il ne vous profitera point ce jour-là que vous soyez associés dans le châtiment, puisque vous avez été associés dans l'injustice. Donc, Inch'Allah, on va donner l'explication de Sheikh al, al badar al Ceci, le chir nous dit, ceci est un autre châtiment par rapport au péché. C'est que les péchés aveuglent le cœur comme l'obéissance est une lumière pour le cœur. Les désobéissances vont en sens contraire de cela. Ils sont ténèbres pour le cœur, obscurité. Le cœur a une clairvoyance et les désobéissances aveuglent cette clairvoyance. Ce ne sont pas les yeux, mais le cœur qui se trouve dans la poitrine, car la désobéissance ne cesse de noircir le cœur, jusqu'à le remettre, le rendre aveugle. Et dans d'autres cas, la désobéissance affaiblit le cœur. La désobéissance est très très nuisible pour le cœur, immensément nuisible. Lorsque la personne a de la science, de la connaissance, mais n'applique pas, n'œuvre pas par celle-ci, dans ce cas, sa science est un argument contre lui parce que le but de la science du ilm ce sont les œuvres se rapprocher d'Allah Ta'ala par ce qu'il apprend mais lorsque c'est une affaire mais lorsque c'est une affaire de faiblesse la personne n'a pas de force n'a pas de motivation pour cette pour certaines œuvres il est considéré comme croyant faible tant qu'il ne délaisse pas ce qui le mène euh, tant que ce qu'il ne délaisse n'est pas de la mécréance sinon le jugement Change. Et le croyant fort est plus aimé et meilleur auprès d'Allah, comme dans le hadith du prophète, Al-Mu'min al Qawi, Khair, wa ahabbu ila Allah wa ala, min al-Mu'min ba'if Et le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Dans le hadith, il y a l'indication que les deux, forts et faibles contiennent du bien. Que la foi est présente, le bien est présent. Ensuite, Ibn al-Qayyim a mentionné la subdivision en quatre catégories. La première sont ceux qui ont réuni les deux caractéristiques immenses. Il est, il est un exemple, ce sont les imams de la vérité et de la guidée Naam. La deuxième catégorie, ils sont dépourvus de caractéristiques, ils n'ont pas de science qui est la clairvoyance qui guide vers la vérité, ils ignorent pas. Il est ignorant, pas de clairvoyance pour lui, il reste dans les ténèbres du cœur, il n'a pas, pas non plus de force de motivation. Dans cette deuxième catégorie, il y a beaucoup de créatures, le plus, qui sont englobées dans cette catégorie. Et Allah ala nous dit la plupart des gens dans ce, do, dans ce domaine sont dépourvus de clairvoyance et de force. Allah ala nous dit Et la plupart des gens, Naham. Troisième catégorie, ce sont ceux qui sont dotés de clairvoyance et de connaissance de la vérité, mais sont faibles et n'ont pas la force de la réaliser, d'y appeler. La quatrième catégorie, la quatrième catégorie, c'est la situation de beaucoup de gens, de l'innovation et des passions. On voit de la force, de la motivation. Le prophète Ali, wassalam, a dit Men amila amalan laysa alayhi amruna et quiconque fait Et qui fait une œuvre Qui ne fait pas partie de notre ordre Cette œuvre sera rejetée C'est une épreuve Calamité d'avoir une force Une motivation Mais pas dans la bonne guidée Et sans clairvoyance Il se rapproche d'Allah Avec beaucoup d'œuvres de motivation Dans autre que la législation Qu'Allah a fait descendre Dans ce cas ses œuvres sont rejetées parce qu'une des conditions d'acceptation des œuvres sont qu'elles soient en conformité avec la guidée, la sunna du Prophète Ali comme dans le hadith cité précédemment. Et la personne n'a pas de clairvoyance, mais, mais eh, la personne qui n'a pas de clairvoyance et a de la motivation, ses œuvres sont déviées, ne sont pas conformes à la guidée. Omar ibn Abdelaziz disait, Omar ibn Abdelaziz disait, celui qui adore Allah sans clairvoyance pervertit plus qu'il ne réforme. La désobéissance réunie rassemble entre ces deux choses. Elle affaiblit la clairvoyance jusqu'à ce que la personne se détourne de la vérité à force de désobéir. Il ne fait plus la différence entre le vrai et le faux. Retenez bien, la désobéissance réunie rassemble entre ces deux choses entre ces deux choses elle affaiblit la clairvoyance jusqu'à la dé détourner de la vérité à force de désobéir il ne fait plus la différence entre le vrai, le vrai et le faux il ne connaît pas le convenable ni le blâmable il ne il ne différencie pas entre la guidée et l'égarement sans force et motivation il ne peut faire le bien c'est la force qu'il y a dans le cœur car elle possède, car elle pousse à faire le bien. Et les désobéissances l'affaiblissent cette force ou la suppriment totalement. Et pour réussir, nous mentionne l'auteur, il faut deux choses. Pour la réussite, il faut deux choses la motivation et la science utile qui guide. Ce sont deux bases ces deux bases pour distinguer entre le vrai et le faux la science qui guide et la motivation qui amène à la vérité éloigne le faux ibn khâim arahim mentionne que les serviteurs sont différents en fonction de ces deux bases la connaissance et la motivation et cela vient également nous éclairer le hadith qui dit il y a un membre dans le corps s'il est bien tout le corps est bien et s'il et s'il est corrompu tout le corps est corrompu le corps pur réformé c'est celui, celui qui est sur la connaissance et la motivation et s'il n'y a pas ces deux choses dans le cœur, alors les membres seront réformés sur le bien. Et s'il y a, pardon, ces deux choses dans le cœur, alors les membres seront réformés sur le bien et ils suivront et la personne sera sur la droiture. Et le cœur ne sera réformé qu'avec ces deux choses. La science utile qui guide la personne à la vérité et une motivation élevée qui lui fait recevoir l'amène vers le bien parce qu'il n'y a pas de motivation, parce qu'il n'a pas de motivation il perçoit le bien de la vérité mais ne perd pas la pratique c'est pour cela qu'il y a une invocation du prophète ali salatouwassellem qui nous dit allahumma inni Azima fil naham le prophète à salam disait Oh allah je te demande d'être raffermi sur ton ordre sur la religion et euh, d'avoir la motivation sur la guider et l'affaiblissement de la motivation provient de la dé désobéissance délaisser la désobéissance est une lumière pour le cœur et aussi une force Naham. <coughs> la faiblesse de la motivation est la cause de la désobéissance le délaissement de la désobéissance est une lumière pour le cœur d'un côté et une force pour le cœur d'un autre côté donc il n'y a pas parmi ces gens ces gens là celui qui convient pour être guidé dans la religion, parce qu'être lui-même dans la religion, un guide spirituel, implique, veut dire être sur la droiture. Lorsque la personne réunit la clairvoyance, la force, alors à ce moment-là, il peut être guide lui-même euh, euh, dans la religion. Et là, Shikh, euh, Ibn euh, Ibn, euh, le cheikh euh, Abdelazar al, al pardon, fait allusion à la première catégorie citée par. Euh, L'imam Ibn al-Qayyim, la première catégorie, c'est-à-dire ceux euh, qui ont euh, la réussite. Naham. Et pour être un exemple pour les autres, être un pieu, il faut la clairvoyance et la science et la force, la motivation du cœur. Puis l'auteur, nous dit La désobéissance aveugle la clairvoyance du cœur. La personne ne perçoit pas la clairvoyance comme il se doit, comme il faut. Et cela fait partie. Cela fait partie de la certitude, parce qu'être guide dans la religion, cela, euh, cela demande de la patience et de la certitude. Et lorsqu'arrivent les désobéissances, à ce moment-là, elles, elles aveuglent la clairvoyance du cœur. Il ne perçoit pas la vérité comme il se faut, comme il se doit, comme il faut. Le fait de persister sur les péchés et désobéissances brouille la perception du chemin à prendre. On prend le mauvais chemin, et ceci est une immense calamité. Il se détourne de la vérité, il ne relève pas sa tête, ceci est une immense calamité qui vient de la nuisance des péchés. Et le diable ne cesse de comploter graduellement sur la personne pas à pas jusqu'à ce qu'il t'amène à la chute. Si le péché n'entraîne pour châtiment que celui-ci, cela suffirait pour délaisser, pour les délaisser et s'en éloigner. Lorsqu'Ibn al-Qayyim mentionne ce mal des péchés et de cette nuisance immense pour le cœur dans le sens où les péchés aveuglent la clairvoyance, Naham. Et aussi que le péché, les péchés affaiblissent, affaiblissent la force. Car le cœur s'illumine par l'obéissance à Allah et le rapproche encore plus d'Allah. L'obéissance a un profit immense pour le cœur en force et en lumière. Médite en tant qu'exemple euh, la parole du prophète Ali au sujet de la salat Lorsqu'elle lui a été mentionnée, un jour le prophète Ali a dit... « Celui qui la préserve, en parlant de la salate, celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour de la résurrection. » Naham. Et celui qui ne la préserve pas n'a pas, euh, pas cette lumière, cet argument et ce salut le jour de la résurrection. L'obéissance en général est une lumière pour l'obéissant. Et le prophète, alayhi Salem sortait sortait pour la salate. Lorsqu'il sortait pour la salate, il disait... Oh Allah, mets la lumière dans mon cœur, la lumière dans ma vue, etc., parce qu'il se dirigeait vers la prière qui est une lumière. Il demandait à Allah au ta cette chose méritoire dont le pouvoir de le pourvoir en lumière pour toute partie parce qu'il était en direction de la salat qui est une lumière. L'obéissance augmente la lumière du cœur et augmente sa force et la désobéissance affaiblit fortement le cœur. Et les catégories mentionnées par Ibn Al-Qayyim, -rahim al sur l'emprise du Shaytan. La première catégorie, le Shaytan s'écarte de lui, il n'a pas d'emprise sur lui. La deuxième catégorie, le Shaytan vit dans son cœur, il a une emprise sur lui. Puis il dit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se détourne du rappel du miséricordieux, naham, nous lui assignerons un diable. Ici dans ce verset, le rappel du miséricordieux, le rappel mentionné ici dans le verset d'Allah subhanahu wa taala al c'est le Qur'an. Le Qur'an, c'est un dépôt pour la personne. Et quiconque se détourne du rappel d'Allah, c'est-à-dire du Qur'an, nous lui assignerons, nous lui assignerons un démon du fait d'avoir délaissé le Qur'an, le Coran. Et pour être préservé de l'égarement, toutefois que le serviteur est proche du Qur'an immense en méditant sur celui-ci. Il sera guidé. <coughs> le Coran est une guidée, comme Allah Ta'ala nous dit, « Inna al-Qur'an yahdi ya akwam Par le suivi du Coran, il n'y a pas d'égarement. Tandis que celui qui s'éloigne du Coran, Allah Ta'ala nous dit, et celui qui s'éloigne de notre rappel, il aura une mauvaise vie. « Naham » <coughs> et celui qui se détourne de mon rappel aura certes une vie pleine de gênes. <inaudible> Taala le Qur'an, Qur est un dépôt pour la personne. C'est pour cela que le musulman, c'est pour cela que le musulman a besoin d'être proche du Qur'an, de s'occuper du kitab wa sunnah. Il le lit chaque jour, il médite sur le sens, il combat son âme pour la mettre en pratique, pour le mettre en pratique, Al-Qur'an. Et s'il pratique cela, il sera éloigné de la chute, que euh, la chute du shaitan, que provoque le shaitan. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala nous dit, Naham, dans le Qur'an, Wa an fa innahu ma'ishatan danka. Naham, comme nous l'avons mentionné précédemment. Ensuite, Ibn al-Qayyim nous dit, chapitre 49, Les péchés sont des renforts donnés à l'ennemi. Les péchés sont des renforts donnés par l'homme à son ennemi, une armée par laquelle il le renforce contre lui. Car Allah subhanahu wa a éprouvé l'homme en lui attribuant un ennemi qui ne le quitte pas. Serait-ce le temps d'un clin d'œil Ne se détourne jamais de lui et qui le voit, lui et son clan. <coughs> D'où l'homme ne peut le voir il déploie tous les efforts pour s'opposer à lui en toute occasion. Il n'abandonne pas une chose par laquelle il peut ruser contre lui et l'atteindre sans la pratiquer. Et il utilise pour cela les enfants, les enfants de son père Satan, parmi les démons les djinns et d'autres parmi les démons humains. Il lui tend des guet-apens, lui provoquant des calamités et autour de lui des filets et pièges. Il dit à ses soutiens « Devant vous se trouve votre ennemi et celui de votre père, qu'il ne vous échappe pas, qu'il n'obtienne pas le paradis et la miséricorde, et vous l'enfer et la malédiction. <laughs> » Vous savez ce qui m'est arrivé ainsi qu'à vous Comme l'humiliation, malédiction et éloignement de la miséricorde d'Allah Et cela est arrivé par sa faute et sa cause Alors déployez tout effort afin qu'il nous soit associé dans ce malheur Puis nous avons manqué Puis nous avons manqué d'être associés aux pieux d'entre eux au paradis Allah au nous a informé de tout cela concernant notre ennemi Et il, Allah au nous a ordonné de nous préparer Nous préparer contre le shaytan Naham Puisqu'Allah savait qu'Adam et sa descendance seraient éprouvés par cet ennemi. Il leur a soumis des troupes et armées pour l'affronter, mais il a également attribué à leurs ennemis des troupes et armées pour l'affronter. Et il a établi le champ de bataille en ce monde, pour le temps de l'existence qui est en comparaison de l'au-delà, tel un seul de ses souffles. Il a accordé aux croyants au prix de leur personne et leurs biens de leur offrir le paradis. Ils combattent sur le sentier d'Allah tuant et sont tués. <coughs> Et il a mentionné que c'est là une promesse établie dans les, dans les plus nobles de ses livres, que sont la Torah, l'Évangile et le Qur'an. Il a aussi informé du fait que personne ne respecte son engagement plus que lui. Puis il leur a ordonné de se réjouir de cette trans transaction, Naham, dont on peut connaître la valeur en considérant qu'il est qui est l'acquéreur. Quel est le prix payé pour cette marchandise et à qui s'applique ce contrat Existe-t-il une réussite plus grande que celle-ci Existe-t-il un commerce plus profitable que celui-ci Puis Allah a appuyé en disant... يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحب تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أو oh, vous les croyants, vous indiquerai un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux Croyez en Allah et son messager et combattez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'immense succès. Il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez, un secours d'Allah et une victoire prochaine et, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Allah Ta'ala n'a pas soumis cet ennemi à son serviteur croyant qui est pourtant la plus aimée de ses créatures. Pour l'unique raison que le djihad est la chose qu'il aime le plus et que ses adeptes sont ceux qui disposent auprès de lui des plus hauts degrés et qu'ils sont les plus proches de lui, Allah Ta'ala établit cette guerre en ce qui est l'essence de ses créatures, le cœur qui est le lieu de sa connaissance, de l'amour la servitude, la sincérité, la confiance, na'ham, et, la, et de la repentance qu'on lui voue. il a donc confié l'étendard de cette guerre et l'a soutenu par une armée d'anges qui ne le quittent jamais, na'ham. l'homme a autour de lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'allah ou ils se relaient chaque fois qu'un groupe part, un autre arrive. il le renforce, lui commande le bien, lui incite, lui promettent la générosité d'allah et le soutiennent. Et lui disent « Il n'est question que de patienter un instant et tu te reposeras ensuite pour l'éternité. » Puis Allah Ta'ala l'a soutenu par une autre armée en sa, en sa révélation et sa parole. Et ainsi il a suscité son message. Lui a révélé son livre, ajoutant ainsi à sa force, ses soutiens et son attirail. Et il l'a renforcé pour la raison qui est pour lui tel un ministre et gestionnaire. Par la connaissance qui le conseille par la foi qui le renforce, le soutien et le secours et la certitude qui lui révèle la réalité des choses au point qu'il s'agit comme s'il voyait ce qu'Allah a promis à ses alliés, son parti pour avoir combattu ses ennemis. Ainsi, la raison administre son armée, la connaissance met en place les techniques militaires qui conviennent. La foi l'affermit, la renforce et le fait patienter et la servitude le fait avancer et lui fait voir les choses telles qu'elles sont réellement. Puis Allah a soutenu celui qui prenait part à cette guerre par la force apparente et cachée. Ainsi il a fait de l'œil son avant-garde, de l'oreille son informateur, de la langue son traducteur, des deux mains et des deux pieds ses soutiens. Et il a ordonné à ses anges et aux porteurs du trône de demander pour lui le pardon, la préservation contre les mauvaises actions et l'entrée dans les jardins du paradis. Allah s'est chargé lui-même de sa protection en disant, voilà mon parti. Et les adeptes du parti d'Allah sont ceux qui réussissent. Allah ala nous dit ala inna Ils sont le parti d'Allah, n'est-ce pas Que les partisans d'Allah sont ceux qui réussissent. Et ils sont les troupes d'Allah Ta'ala. Ils sont Wa inna jundana lahum Et nos troupes remporteront la victoire. Allah a prescrit à ses serviteurs le déroulement de cette guerre et de ce combat. Et il a rassemblé ceux pour eux en quatre mots. Cela pour eux en quatre mots. Naham Ya ayyuhal amanu, sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun » Ô oh, vous les croyants, patientez dans l'obéissance, endurez l'ennemi, soyez vigilants et craignez Allah afin que vous réussissiez. Le djihad ne peut être complètement réalisé que par ces quatre choses. Ainsi la patience n'est complète que par l'endurance face à l'ennemi qui se réalise par le cœur et sa protection. Afin que l'ennemi n'y pénètre pas, le combattre, le combattre et l'arrêter. Et si on endure l'ennemi, on a besoin d'une autre chose qui est la surveillance aux frontières de l'œil, de l'oreille, de la langue, du ventre. De la main et du pied, car l'ennemi pénètre par ses frontières et corrompt tout ce qu'il peut. La surveillance consiste donc à garder ses frontières et ne pas les laisser sans surveillance, si bien que l'ennemi s'y trouve la voie, s'il trouve la voie, il s'y engouffre. Les compagnons du messager d'Allah sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Ils sont les plus protégés et préservés de Satan, mais ils ont délaissé la position qu'on leur a ordonné de garder lors de la bataille de Uhud. Et c'est ainsi que l'ennemi s'est introduit et arriva, ce qui arriva. On peut rassembler ces trois choses et le pilier sur lequel elles reposent, qui est la crainte d'Allah. Ainsi, la patience, l'endurance et la surveillance ne sont utiles qu'accompagnées de crainte d'Allah au Ta'ala. Et la crainte d'Allah au Ta'ala ne peut s'établir que sur le support de la patience. Observe maintenant en toi la rencontre des deux armées, l'alignement des deux troupes et la manière dont cela t'est parfois favorable et d'autres fois défavorable le roi des mécréants s'est présenté avec ses troupes et armées, et il a trouvé le cœur en sa citadelle assis sur le trône de son royaume obéi de ses partisans <coughs> entouré par ses armées entouré par ses armées qui combattent pour lui et le protègent ainsi il ne pouvait être assailli que par trahison de l'un de ses membres de sa cour et de son armée naham l'ennemi demanda naham l'ennemi demanda quel est le membre de l'armée le plus proche de lui, on lui répondit l'âme. Il dit alors à ses partisans, le shaykhtaun, introduisez-vous en elle par le biais de la volonté, voyez ce qu'elle aime et attaquez-la par cela. Faites-le lui désirer, gravez l'apparence de ce qu'elle aime et en son réveil et en son sommeil. Lorsqu'elle se sera établie et apaisée auprès de lui, lancez vers elle les crochets et harpons des désirs. Ensuite, tirez-la, Tirez-la à vous, et lorsqu'elle aura trahi le cœur et qu'elle vous aura rejoint contre lui, vous prendrez possession des brèches de l'oreille, la langue, la bouche, la main et du pied. Guettez donc incessamment ces brèches, et lorsque vous vous serez introduit par celle-ci auprès du cœur, il sera tué, capturé ou totalement couvert de blessures. Ne délaissez donc pas ces ténèbres, ne laissez aucun escadron y entrer pour parvenir au cœur et vous en chasser. Et si vous n'y parvenez pas, essayez d'affaiblir cet escadron afin qu'il ne parvienne pas au cœur. Et même s'il y parvient, ce sera, il sera affaibli, ce sera affaibli, sans que cela ne soit d'aucune utilité. Si vous contrôlez ces, ces brèches, empêchez la brèche de l'œil de porter un regard contemplatif, mais faites en sorte que son regard se porte sur les réjouissances et futilités. S'il s'élève au niveau du regard contemplatif, détruisez cela par le regard de l'insouciance et du désir. Car cela est plus proche, plus attaché, plus facile à lui. Voyez bien la brèche de l'œil, car c'est par elle que vous atteindrez votre objectif. Je n'ai rien détérioré chez le fils d'Adam de semblable à l'œil. Retenez bien. Je n'ai rien détérioré chez le fils d'Adam de semblable à l'œil, car c'est à travers lui que je sème dans le cœur la graine du désir, puis je l'arrose de l'eau des fausses espérances. Puis je ne cesse de lui promettre de lui donner de fausses espérances jusqu'à renforcer sa détermination, et je le mène alors au du, par le règne du désir à se défaire de sa protection. Ne négligez donc pas cette brèche, détruisez-la autant que vous pouvez, et faites en sorte qu'il <coughs> qu'il dédaigne cela en disant, quelle est la valeur d'un regard qui t'amène à la glorification du Créateur et à la méditation sur la perfection de son œuvre La beauté de ces choses n'existe que pour amener pour amener celui qui les observe vers son Créateur. Allah n'a pas créé tes deux yeux en vain, et il n'a pas créé cette forme pour les cacher au regard. Donc ceci, ceci ici, je tiens à préciser, c'est une ambiguïté qu'utilise le shaytan pour égarer les gens. Naham, je répète, le shaytan, et Sheikh Abdelazak Al-Badr par la suite va nous expliquer cela, c'est que le shaytan entre par le regard de la personne, Naham, c'est une brèche ouverte pour Naham corrompre le cœur de la personne. Naham, exemple, il va lui faire regarder des choses, comme la femme, par exemple, en lui faisant croire, en, lui, en, en, le, en le menant, en lui disant, regarde la création, la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta ta'ala. Naham. La beauté de ces choses n'existe que pour amener. Celui qui les observe vers son Créateur. Allah n'a pas créé tes deux yeux en vain. Regardez l'ambiguïté. Allah n'a pas créé tes deux yeux en vain. J'ai des yeux, c'est pour regarder. Ça, c'est l'ambiguïté du Shaitan. Et il n'a pas créé cette forme, ces formes pour les cacher. na'am Si vous parvenez ainsi à dominer celui qui est doté de peu de science et dont la raison est viciée, dites-lui ces choses sont des formes d'apparition et de manifestation de la vérité. Appelez-le donc à affirmer que tout tout ne forme qu'un, et s'il n'accepte pas de le dire, alors faites en sorte qu'il croit en l'incarnation globale ou spécifique d'Allah en ses créatures. Donc ça, c'est ce, ce par quoi le Shaytan a réussi, a réussi à embobiner les gens de l'innovation, ceux qui disent qu'Allah il est partout, ceux euh, naham qui font ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, naham, etc., etc., naham. Shir va l'expliquer à la suite. Ainsi, il deviendra un frère des chrétiens et vous lui commanderez alors la chasteté, le retirement, l'adoration, l'ascétisme ce bas monde. Traquez-le et chassez à travers lui les ignorants, car il compte désormais parmi mes plus proches partisans et mes meilleures troupes. Et plus encore, c'est moi qui compte parmi ses troupes et partisans. Tout ça, c'est ce que dit le shaitan et c'est le stratagème du shaitan. Donc, on a fini de lire la parole d'Ibn al donc, avant d'entrer dans la parole, l'explication de Sheikh Abdelazak al al-Badr, j'aimerais faire une introduction, inshallah Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ceux qui ont patienté et qui sont arrivés jusqu'ici, dans le cours, qui ont écouté, Mashallah, maintenant, ça va être le moment de la récompense. Ça va être le moment, Mashallah, d'avoir patienté et d'avoir écouté, d'avoir essayé de comprendre, d'avoir fourni des efforts, Inch'Allah, maintenant, il va y avoir une récompense. Quelle est cette récompense Cette récompense, c'est qu'ici, le shir va aborder un sujet des plus importants, des plus primordiales dans la vie de, de l'humain, dans la vie de l'homme et de la femme. Naham. C'est le combat contre le shaitan. Et cette récompense, c'est que, Ibn al-Qayyim, Naham et Abdelazzaq al al-Badr, par, par son immense explication, vont nous donner des armes et des manières, euh, des armes, Naham, pour justement mener ce combat, pour justement être à l'affût, c'est-à-dire être préservé, être euh, tout le temps euh, à l'affût et savoir comment faire attention et se prémunir euh, du shaytan parce que c'est une guerre qui peut mener, donc euh, vous verrez que Zarq al-Badr nous dit, c'est le combat de ta vie. Le combat contre le shaytan, c'est le combat de ta vie. Et le shaytan a réussi à duper la majorité des gens, beaucoup de gens, au point où ils sont morts sur autre euh, que le tawhid, c'est-à-dire il y en a qui sont morts, comme on va le mentionner, sur le polythéisme, il y en a qui sont morts sur les grands péchés, etc., etc., donc il est primordial et capital ici de bien comprendre et de mettre cela en œuvre et de prendre vraiment conscience de cela. Et cela est très 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 important. Naham, j'insiste. Donc il y aura une, une, une récompense ici. Pourquoi je dis récompense Parce que cette science utile, inshallah, cette science utile que nous allons acquérir ici, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Il y a des gens qui sont immensément riches matériellement et qui n'ont pas accès à la compréhension, de, de, à cette science tout court. Ils n'ont pas accès à ce ilm al -nafir, cette science utile. Vous, vous avez la chance, alhamdulillah, d'avoir accès à cette science utile. Donc, inshallah, alhamdulillah, nous demandons à Allah que cela soit profitable inshallah et même que cela soit une réussite pour nous, fit dunya wal -akhira. Amin. Taïm. Donc nous allons commencer, inshallah la parole d'Abdel l'explication d'Abdel al-Badr, al Allah. Ibn al-Qayyim ne cesse d'énumérer les immenses châtiments qui se rapportent au péché et désobéissance. Il mentionne dans cette partie que parmi les châtiments dus au péché, parmi les châtiments dus au péché, c'est que le pécheur, par ses péchés, donne des renforts au shaitan et une entrée spécifique comme renfort à son ennemi, le shaitan. C'est pour cela que les désobéissances et les penchants pour celles-ci ouvrent des portes au shaitan, tandis que le serviteur véridique avec Allah, qui se tourne vers Allah, qui excelle dans le rappel d'Allah et son invocation, le shaitan ne trouve pas de chemin contre lui. Il ne trouve pas de brèche. Inna ibadi alayhi sultana. Tu n'as aucun pouvoir, aucune emprise sur mon serviteur. C'est pour cela que lorsque le musulman se préoccupe grandement du rappel d'Allah et de son adoration, son obéissance, qu'il demande pardon, sans remettre à Allah seul, cela est bien pour lui et une protection contre le shaitan. Mais lorsqu'il entre dans la désobéissance, alors, alors comme s'il lui a été un renfort, cela, c'est comme s'il sera ôté un renfort. Euh, pour aider le Shaytan contre lui-même. Donc, parmi les immenses châtiments des désobéissances, elles sont, c'est qu'elles sont un renfort pour le Shaytan. Puis Ibnul qayyim va expliquer que la haine du Shaytan envers l'humain est ancienne et immense, et elle est continue. Allah Taala nous dit, fi Inna et le shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le comme ennemi. Et cela est très dangereux dans la vie de l'humain. Car le shaitan ne cesse de tracer des pas, des chemins qui le font dévier, qui font dévier la personne du droit chemin d'Allah. Et il veut, diviser la, il veut diriger la personne vers son parti, le parti de l'enfer. Donc quand la personne désobéit à Allah, le shaitan lui tombe dessus. Donc quand la personne désobéit à Allah, le shaytan lui tombe dessus. Ici, une parole immense qu'Ibn al-Qayyim a mentionnée, il illustre la situation entre l'enfant d'Adam et le shaytan, comme cela est le cas d'une bataille. Et Allah a décrit le diable comme ennemi et a ordonné aux serviteurs de combattre cet ennemi. Et c'est pour cela, parmi les plus immenses contrats, le contrat, le combat, pardon, et c'est cela comme plus immense combat, c'est le plus immense combat, le combat contre Shaitan en œuvrant pour être et préserver et euh, fermer toute brèche par laquelle entre le Shaitan. Ce qu'il y a entre l'enfant d'Adam et le Shaitan est une guerre continue et la haine du Shaitan envers l'enfant d'Adam est ancienne. Il ne s'arrête pas et vient à la personne de tous les côtés. Maintenant Ibn Qayyim va expliquer quel pas, prend le et, quel pas et quel chemin prend euh, et quelles sont ses œuvres l'enfant d'Adam, le shaitan. Et également quelles sont les choses nécessaires que doit faire l'enfant d'Adam pour être sauvé et préservé. Cette guerre entre l'homme et le diable ne date pas d'un jour, ni d'une semaine, ni de plusieurs mois euh, dans la vie d'une personne, mais c'est le combat de toute sa vie. C'est le combat de toute sa vie, jusqu'à la fin, lorsque l'âme sorte, puisque l'âme sorte de la personne préservée de ce shaitan. Donc, la guerre du Shaytan est continue et sa haine ne s'arrête pas. Et cela pour tout humain jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, Ibn Al nous parle du, 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 du contrat avec Allah au Il dit l'acheteur c'est Allah et le prix c'est le paradis, comme mentionné dans le verset que nous avons cité précédemment. Celui qui évolue sur le pacte, le pacte du Messager, le transmetteur sur la religion d'Allah au et sa législation quel plus beau trésor que celui-ci et quel commerce plus gagnant que ce commerce ce commerce c'est celui qu'a mentionné Allah au taala comme énorme récompense pour celui qui entre et Allah a mentionné pour celui qui entre et Allah a mentionné dans le verset qui suit les caractéristiques de ceux qui réunissent ce commerce naham ce combat qui est le combat contre le shaytan est aimé auprès d'Allah et son rang est immense et le serviteur par cela est élevé en degré, parce que ce Shaytan, le shaitan, euh, parce que ce Shaytan est sur la personne pour l'éloigner d'Allah, pour le priver de la récompense d'Allah, pour le faire tomber dans la colère d'Allah et son châtiment et d'entrer en enfer. Ce que veut ce diable, le Shaytan, sa haine est la plus grande et la plus nuisible pour la personne. C'est pour cela que le combat contre le Shaytan est un des plus immenses combats. Il n'est pas possible pour la personne d'être sur la droiture, l'obéissance, l'adoration et son rapprochement, le rapprochement d'Allah, sans le combat contre le shaitan, Parce que s'il ne combat pas cet ennemi, son cœur sera, sera corrompu. Naham. Parce que cet ennemi te voit et toi tu ne le vois pas. Et il vient de tous les côtés. Donc son combat est aimé auprès d'Allah et sa récompense est immense. Naham. Ensuite, retenez bien... Retenez bien sur quoi se concentre le shaitan. Ensuite, cette guerre qui a lieu entre le shaitan et la personne est entièrement concentrée sur le cœur de la personne. Parce que le shaitan, soit, sait que lorsque le cœur est corrompu, la personne est corrompue. Et lorsque ce cœur a dévié, alors la personne aura dévié. Et lorsque son cœur est atteint de maladie, alors shaitan le sait. C'est pour cela. Euh, que la haine entre le shaitan et l'humain est concentrée sur le cœur. Le diable est rué sur le cœur de la personne. Les insufflations sataniques, les doutes tombent sur le cœur de la personne. Et également, le shaitan étudie le cœur de la personne pour voir ses penchants jusqu'à ce qu'il perçoit par quel chemin il passe pour la faire dévier. Et le salut dans cette guerre contre shaitan, c'est que la personne, c'est qu'il protège son cœur contre toute attaque. Allah a placé des anges qui veillent sur le croyant euh, et il a placé des soldats. Il le secourt par la volonté d'Allah. Toutefois que le serviteur s'accroche à cette arme, la révélation, le kitab wassunna, et la sunnah, et qu'il s'en occupe, cela est un soldat pour lui, contre cet ennemi, le shaitan. L'arme, la révélation, c'est le kitab et, le, et la sunnah. Et l'exemple de la guidée du prophète, Ali wa wasallam, et la législation, l'obéissance à Allah, tout cela sont des armes par lesquelles Allah secourt son serviteur croyant contre son ennemi alors une parole très immense naam le serviteur toutefois qu'il est sur la foi l'obéissance qu'il préserve l'obéissance à Allah au taala alors il aura de sa part des renforts et l'aide par la permission d'Allah au taala il sera protégé du shaitan. « in allah yudafi'u 'anil amanu allah ta'ala dit, et allah défend défend ceux qui sont c'est le défenseur de ceux qui ont cru. Également parmi les renforts pour le croyant, Allah a fait, Allah a fait euh, ses anges et ceux qui portent le trône, demandent pardon. Les anges qui portent le trône d'Allah, demandent pardon pour le croyant. Et il glorifie Allah de toute louange. Crois en lui et demande pardon pour ceux qui ont cru. Tout cela est un renfort. Et son occupation, Coran, le serviteur, lorsqu'il s'occupe de tout ce qui amène à la servitude, la foi, la confiance en Allah, tout cela est un renfort. Les renforts tiennent sur quatre choses pour que le serviteur d'Allah soit secouru contre cet ennemi. Cela tient sur quatre choses. La patience, l'endurance, la vigilance et la crainte d'Allah au comme nous le dit Allah au-Tahala dans le verset si mentionné dans le livre. Tout cela, Ibn al-Qayyim va l'éclaircir. La guerre contre le diable nécessite ces quatre choses: la patience, l'endurance, la vigilance et la crainte d'Allah au taala. Et la chose la plus immense sur laquelle se concentre et concentrer cette affaire, c'est la patience du cœur. car il est le fondement et le shaytan, comme vu précédemment, son combat est concentré sur le cœur. C'est le fondement, c'est le fondement, son but dans cette guerre. Il y a des brèches qu'il faut préserver, sinon le shaitan, entrera par là ces brèches qui sont les yeux les oreilles, la langue les membres euh, le, le, le sexe naham, les mains, les pieds toutes ces brèches, chétan, essaye d'entrer par celles-ci, il passe par des chemins et le serviteur doit faire attention s'occuper, se préoccuper de ces brèches ces fenêtres, de façon à ne pas laisser, à ne laisser aucune ouverture au shaitan et ses soldats Naham quel que soit son niveau dans la religion, son niveau de piété, de crainte, il doit faire attention à ses fenêtres, ses brèches, ces brèches qui ont cours sur ses fenêtres qui ont cours sur son cœur. Le serviteur devra s'occuper immensément à ce que le shaitan n'entre pas par l'une de ces brèches. La guerre se tient sur ces trois choses la patience, l'endurance et la vigilance. Ces trois choses qui sont réunies dans la piété et la crainte. La piété ne peut être sans la patience, car on ne peut faire partie de ceux qui craignent Allah sans la patience. Celui qui n'a pas de patience n'a pas de piété. Ibn al-Qayyim, comme il nous l'a illustré, comme sont la guerre, euh, la guerre contre le Shaitan, euh, à quoi appelle le Shaitan ses soldats, son armée, et à quoi il les exhorte C'est-à-dire les instructions que donne le Shaitan à propos de ses fenêtres, ses brèches à son armée, et comment il entre sur l'humain. En ce qui concerne l'humain, toutes ses brèches. Sont directement en rapport avec ses membres, son corps, parce que les membres, comme, comme les mains, les oreilles, la vue, les pieds, le ventre, tous suivent ce que veut le cœur, et il n'est pas possible qu'il se détachent de la volonté du cœur. Le cœur est par rapport au corps. Naham, le cœur est, est par rapport au corps comme euh, ce que le roi par rapport à son armée. Les membres suivent le cœur. Le chétan regarde le cœur de la personne et il y trouve des brèches dans les membres de celle-ci. Il est en fait, son, et il en fait son importance, sa priorité, son QG, en se concentrant sur le cœur de la personne. Son but est de tromper les membres en les corrompant, comme lui, il a vu les mains, les pieds, les parties intimes. Euh, il lui faut tromper, duper ses membres, jusqu'à les affaiblir. Regardez ce vers quoi penche l'âme. Hein, il regarde ce vers quoi penche l'âme. C'est pour cela le shaitan, comme l'ont dit certains séléf, il sent les âmes. Il sent les âmes. nefs, c'est-à-dire il sent quel est leur penchant, quel est le penchant de l'âme. C'est pour cela, retenez bien, des fois euh, il sent une âme, il la trouve dans l'obéissance. Ses penchants sont l'obéissance à Allah. Il rend cette personne qui penche pour l'obéissance, il la fait tomber dans l'exagération. Elle roule C'est euh, Naham. Celle qu'Allah, euh, le rouleau, ce qu'Allah n'accepte pas. Il l'occupe cette personne par l'exagération qu'Allah n'accepte pas et qui ne fait pas partie de la religion. Naham. Il vient donc le shaitan dans cette direction, par cette direction. Naham. Euh, S'il trouve la personne fainéante, il l'affaiblit. Naham, son amour pour l'obéissance, il affaiblit son amour pour l'obéissance et l'adoration. Et lorsqu'il il trouve une âme qui penche vers les plaisirs, les passions, il lui fait aimer cela. Euh, naham, il lui fait aimer cela. Et c'est comme cela qu'il fait. C'est comme cela qu'il sent les âmes et qu'il fait sortir les gens de la législation d'Allah au Ta'ala. Parmi les pas qu'emprunte le shaitan aussi pour égarer, perdre l'enfant d'Adam, c'est qu'il l'éloigne des assises de rappel d'Allah au des assises de guidée. Il met à cette personne une mauvaise image, Naam. Il fait apparaître une mauvaise image des assises de rappel, de guidée. C'est comme cela qu'il ferme les fenêtres par lesquelles entre la guidée dans son cœur. Car bien il essaye d'affaiblir, hein. ou bien il essaye d'affaiblir cette fenêtre, cette brèche qui mène au cœur. Ensuite, le shaitan procède par étapes. Il incite la personne à regarder des choses interdites, mais sans qu'elles soient, sans, que sans que cela soit passionnel. Encore une tromperie, il place l'ambiguïté de dire, regarde la femme, sa beauté, juste pour contempler la création d'Allah. Tu vas juste contempler la beauté, la création d'Allah, etc. Jusqu'à ce que la personne ensuite, euh, ensuite il passe une fois... Que cela est fait, il passe au regard passionnel avec désir. Il fait tomber la personne dans l'interdit. Il fait donc passer la personne du regard par négligence, laxisme, au regard passionnel qui est interdit. Il procède par étapes, il passe donc par une brèche. Ici le regard. Ici la brèche c'est le, le regard. Il dit le shaitan. Je n'ai pas plus, plus perverti chez une personne que le regard. Le regard est plus grand, et hein, la plus grande entrée par laquelle passe le shaitan. Pour entrer dans le cœur de la personne. Naham. Et sachez que certains vertueux sont tombés, Naham, dans le stratagème du Shaitan. Naham. Certains vertueux sont tombés dans le stratagème du Shaitan. Donc veuillez faire très attention, veuillez assimiler cela et veuillez, inshallah être vigilant et ne pas vous faire avoir par le Shaitan, car c'est le combat de votre vie et le Shaitan ne lâche pas jusqu'aux affres de la mort même lorsque la personne est en train de mourir le shaytan apparaît le shaytan vient et essaye de la duper et nous allons voir cela inshallah dans un prochain chapitre subhanaka subhanakallohumma wa bihamdik wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain